chien enragé. Oui, et ma mère donne une conférence dans un congrès de vétérinaires. Du coup, elle sera absente tout le week-end. Et du... Eh oui, vous ne rêvez pas. C'est bien une superbe robe très chère de chez Nonos et compagnie. Mon père vient de me l'offrir. Virtuose, Virtuose de Crécy, reviens immédiatement. Hey, mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Oh, je vais me fâcher. Va-t'en, sale cabot! Au secours, ma robe! Non, mais il va quand même pas! Oui, je file. Et comme ton père est en reportage, c'est Mathilde qui vous garde. Oh, génial! On va bien s'amuser. J'y compte bien. Ah, dernière chose. Madame Lambert va probablement passer pour Virtuose. Il a toujours des soucis de digestion. Il suffit de lui donner un cachet. La boîte est dans le tiroir de mon bureau. D'accord? Ne t'inquiète pas. Allez, au revoir. Plaisir. Une balade en forêt, du shopping, une partie de cartes. Pourvu que cette Madame Lambert ne vienne pas nous embêter tout de suite. Ah, Madame Lambert! Martine, ta maman est là? Virtuose fait de la mousse. Maman vient tout juste de partir, mais on va bien s'occuper de lui. Oui, entrez. On a suivi une formation vétérinaire express. Ah bon? Merci beaucoup, ma petite Martine. Tu vois, mon chéri, Martine t'a bien soignée. Elle est gentille, cette petite. Tu ne trouves pas? Oh, quel coquin! Il est joueur, mon bichon. Virtuose, ça ne va pas recommencer. Virtuose, reviens ici tout de suite. Mordu? Mais enfin, Émilie, qu'est-ce que tu racontes? Il ne t'a pas mordu. Il m'a mordu! Ah! Où est-ce qu'il t'a mordu? Laisse-moi voir. Mais enfin, ce n'est pas possible. Il ne mord jamais d'habitude. Ah! Ça fait super mal! Je vais avoir la rage! Ah! Allons, ne dis pas de bêtises. Il a effectivement la rage, je ne peux pas prendre le risque de le laisser en liberté. Vincent, emmène Virtuose au cabinet vétérinaire de Marie. Qui? Moi? Mais s'il me mord? Ah non, 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 non. Tout de suite. Viens, ma chérie, on va soigner ça à la maison. Ah, ah, sale bête. Oh là 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 là. Madame Lambert, ça va aller, Madame Lambert? Quoi? En conférence? On ne peut pas la déranger. Ah, je comprends, mais... Bon, bah merci. Au revoir. Marie est toujours injoignable. Oh, mon pauvre petit Virtuose, en prison, comme un vilain bandit. Soyez tranquille, Madame Lambert. On va bien s'occuper de lui. Et quand il remue les oreilles, c'est qu'il a faim. Et pour s'endormir, il adore qu'on lui gratte le ventre. D'accord, Madame Lambert. Au revoir, Madame Lambert. Et puis, il ne supporte pas les coussins synthétiques. Et il lui faut une grande écuelle d'eau fraîche. Hein. Et pour son bain... D'accord, Madame Lambert. Le problème des animaux domestiques, c'est souvent leur maître. S'il ne l'a pas, il ne dort pas. Il a hurlé
toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil. En plus, ce matin, Madame Lambert m'attendait à la porte avec une petite brosse à dents et du dentifrice pour chien. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Oui, t'as raison, c'est le cas de le dire. Son état est stationnaire, mais grave. La morsure est super profonde, toute rouge. Sa température est de 45 degrés. Celle du chien? Ben non, celle des Mimi. Enfin, je crois. C'est pas la rage qu'elle a, c'est la super rage. Ça fait déjà longtemps qu'elle est enragée, Emily. Allez, en classe. Ne vous inquiétez pas pour Emily, les enfants. On soigne très bien la rage depuis Pasteur. C'est lui qui a découvert le vaccin. C'est pas pour Emily qu'on s'inquiète, c'est pour le chien. Vous vous rendez compte? Mordre Emily? La morsure d'Emily doit être drôlement impressionnante. Tu n'as pas eu trop peur? Je sais pas, je l'ai pas vue. Comment ça, tu l'as pas vue? Oui, enfin, si. Si, je l'ai vue, mais... faut y aller. J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Ah, voilà, rage. Maladie virale touchant les mammifères, dont les humains. La rage s'attrape par morsure et déclenche chez le sujet une forte agressivité. Il n'a pas l'air très agressif. Et d'après Madame Lambert, Virtuose n'a jamais mordu personne. Il faut que je parle à Emily. Fais attention qu'elle te morde pas. Ah, ça fait mal! J'espère que tu vas te débarrasser de ce sale cabot enragé. Pour l'instant, ce ne sont que des soupçons, Emily. Et moi, je te dis qu'il a la rage! Tu fais prendre des risques à tout le village en ne faisant rien. Il y a des mères qui se sont retrouvées en prison pour moins que ça. Oh, au fond, tu as peut-être raison. Vincent, vite! Conduis-moi chez Martine, s'il te plaît. Oh non, pas encore le chien enragé. Il va falloir s'en débarrasser. Impossible. Elle ne veut voir que moi. En plus, elle est hyper contagieuse. Et t'as pas peur de l'attraper, toi, la rage? Ben non. Ah bon? Pourquoi? Parce que... Peut-être parce qu'elle n'a pas vraiment la rage? Eh oui, voilà. Non, j'ai rien dit. Je le savais. Emily a monté toute cette histoire pour se venger de Virtuose. Il n'y a plus qu'à rentrer chez toi et le libérer de sa cage. Tu vas enfin pouvoir dormir, Martine. Oui. Attends, Virtuose n'est plus chez toi. Hein? Vincent et le maire ont dit qu'ils allaient s'en débarrasser. Comment ça s'en débarrasser? Oh non! Oh, zut! Madame Lambert! Elle va certainement voir Virtuose. Bon, retardez-la au maximum. Moi, je rattrape Vincent. Quelle bonne surprise! On ne vous a jamais chanté notre chanson pour la fête de fin d'année. On a besoin de vos conseils. Vous avez tellement bon goût. Oh là 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 là! Voyons, regarde la route, face. Oui. La route! C'était d'un ennui. Mais qu'est-ce que tu fais là, Martine? Je t'expliquerai. Mais vite, fais demi-tour. Il faut rattraper Vincent. Je peux y aller maintenant? Oh bah non, attendez! On vous a pas montré la chorégraphie qui va avec la chanson. C'est absolument impossible que Virtuose ait la rage. Je l'ai vaccinée il y a 3 mois. Ah, le voilà! Arrêtez-vous!
riz au lait pour mon virtuose d'amour. Je peux le voir? Oui. Enfin, je veux dire oui. Mais non. Mon virtuose d'amour! Comme il allait beaucoup mieux, on s'est dit qu'une petite promenade lui ferait plaisir. Oh! Ma savonnette! Moi, je la cherchais depuis 3 jours. Ah, ça explique la mousse. Il mange vraiment n'importe quoi. Madame Lambert, je crois qu'Émilie a quelque chose à vous dire. N'est-ce pas, Émilie? Je suis désolée d'avoir dit que Virtuose m'avait mordu et qu'il avait la rage. Tu es pardonnée, ma chérie. Et je crois même que Virtuose te pardonne aussi. N'est-ce pas, Virtuose? J'espère que ça lui apprendra à ne plus raconter n'importe quoi. Bon, et maintenant, tu vas me l'acheter, ma robe nonos et compagnie? Si tu me l'achètes pas, je raconte à tout le monde que t'es un mauvais maire. Je crois que c'est pas demain la veille, Martine.